ça fait 23 ans que je suis au club, ça fait pratiquement 20 ans que j'entraîne les jeunes. Là. Donc Gilles m'a demandé, le président de Château, de faire une entente pour prendre les trois meilleurs, c'est des équipes de 6. Donc prendre les trois meilleurs joueurs de Soudan et les trois meilleurs joueurs de Château pour pouvoir monter. Chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Et bien ça marchait la première année. On est monté directement et puis là on se maintient en pré-régional. Donc là, les jeunes ils sont en départemental 3 et en senior on a deux départementales 4, une D1 et nous en tente avec Châteaubriant on est en pré-régional. Le plus haut niveau régional, quoi. Enfin départemental pardon. On est une trentaine avec les petits jeunes. Alors ça commence à 7 ans à peu près. 7 ans jusqu'à, bon, on a des vétérans qui ont 60 ans. Là. Autrement, on a une équipe minime, une équipe cadet. Et puis, on a arrêté les juniors, ils jouent en senior, les juniors. Là. On a une équipe minime, une équipe cadet, en jeune. Le plus dur, c'est au départ, c'est de tenir la raquette dans la main. Quoi. C'est pas évident pour les petits jeunes. Il y a les règles à apprendre. Et tout le monde, c'est vrai, ils croient que c'est comme dans le garage. Quoi. Le ping-pong dans le garage, mais il y a des règles bien précises. Mais bon, le tennis de table, c'est peut-être plus connu maintenant qu'il y a une vingtaine d'années, je pense. Mais c'est pas facile de, comme dans les petites communes, tout ça, de créer un club et d'avoir du monde. Puis il y a beaucoup le foot qui domine. Les jeunes, ils vont avec leurs copains jouer au foot, ils vont jouer dans la même équipe que le tennis de table, c'est individuel, c'est pas pareil. Ils font des stages jeunes, et puis pendant les vacances, ils font pendant une semaine. Après, bon, ça dépend des finances, quoi.